Salut à tous et merci de nous retrouver pour ce match à part dans le calendrier. Un derby, c'est une affaire de rivalité et ici ça divise des familles, des amis et même des couples. Cette rencontre a beau durer 90 minutes seulement, ses répercussions peuvent se faire ressentir pendant des mois, voire des années et au moins une semaine à la machine à café. Chacun garde en souvenir une victoire arrachée à la dernière seconde ou une humiliation infligée au voisin au nid. C'est aussi ça l'histoire du football. Il faut aussi avouer qu'on est très chanceux d'être dans un si beau stade pour cette rencontre. Dites-moi, Darren, qui sera pour vous le joueur de cette rencontre? Possible que ce soit Son. Comme beaucoup de grands joueurs coréens, il n'a pas peur de courir. Et il le fait avec le sourire. Son énergie pourrait faire la différence. Oui, je suis plutôt d'accord. On est parti pour 90 minutes. Un derby est toujours un match à part et celui-ci ne devrait pas faire exception. Oh, le contre, l'arme fatale. C'est joué long, attention. Le bon dribble. C'était intéressant cette action. Dommage qu'il n'ait pas pu aller au bout. C'est joué long. Pierre-Emerick Aubameyang reçoit le ballon. La casette! Le timing était bon, le placement était bon, tout était bon sauf le dernier geste. C'est dommage, il s'était bien placé pour reprendre ce centre. Ça méritait mieux. Winks. Oh, le tacle. C'est bien. Quelle location, attention. Et l'arrêt, magnifique. Il pensait avoir fait le plus dur, mais le gardien était bien présent. Hernandez. C'est joué long. Dans la profondeur vers Aubameyang. Pépé. Le jeu repart vers la droite. Oh, le bon. Allez, c'est dangereux. But pour Arsenal. Tout est magnifique dans ce but. Lacazette qui s'est offert son cinquième but de la saison. Ils sont déjà menés dès les premières minutes de cette grande affiche. Vous avez remarqué comme les latéraux montent? Oui, c'est vrai, mais je suis sûr que ça correspond à une tactique précise, non? À mon avis, c'est pour forcer les ailiers adverses à redescendre. Plus ils sont loin de votre cage, moins ils peuvent causer de dégâts. Faut que ça va partir vite. Avec la casette. Oui, oui, il était hors jeu. Bien, la profondeur. Dans la surface. C'est dégagé, très loin.
Long ballon dans le sens du jeu. Winks. Ça peut être extrêmement dangereux. Bon service dans la profondeur. Et c'est directement récupéré. Oh, le bon tacle glissé. Et voici Aubameyang. Arsenal qui essaye de tente sa chance. Oh, mais quelle parade! Quelle classe! C'était un arrêt extraordinaire. Ce sera le premier corner du match. Le bon dégagement. Il est côté droit, il y a un truc à faire. Donald qui récupère ce ballon. Transversale. Et cette longue transversale sur l'autre aile. Il est bien placé. Il allonge vers l'avant. Voilà une bonne occasion de contre. Une petite faute là. Le voilà averti, il n'y a pas grand chose à redire. Bien, bonne intervention. Sanchez. Ça joue long vers l'avant. Il accélère et il déborde. Guendouzi qui a mis son pied en opposition. Oui, ça pouvait être dangereux. Il fallait impérativement l'arrêter. C'est joué long, c'est dangereux. Pour filer droit au but. Ce sera une remise en jeu. Le ballon a franchi la ligne. Winks. Il récupère le ballon, c'était un bon pressing. Pas le temps de se lamenter, c'est déjà récupéré. La passe en retrait vers son défenseur. Maitland-Niles qui a donc offert un but à son coéquipier. Attention, occasion! Le gros dégagement. C'est récupéré. Oh, voici Kane. Emerson qui a un peu d'espace. La passe dans la profondeur. Le drapeau ne s'est pas levé. Ça ne passe pas. Nelson Semedo. Il peut frapper. Ali. Juste avant la mi-temps. Ils ont complètement déboussolé leurs adversaires avec ce 1-2. Une magnifique action collective. Ali qui double son capital but avec sa deuxième réalisation de la saison. Le jeu reprend sur un score de parité. Eh bien, on savait que ce match serait serré et ça se confirme.
c'est joué dans l'espace. Dans l'espace, bien vu. Quelle détente! Et le gardien peut s'estimer heureux de ne pas avoir pris ce but juste avant la mi-temps. Arsenal qui n'aura rien lâché la preuve avec cette dernière tentative. Les supporters doivent encore se demander comment c'est pas allé. Les deux équipes n'ont pas réussi à se départager pour le moment. Elles quittent le terrain sur ce score, hein, partout. Et la seconde période est lancée. On a vu les stats et avec deux fois plus de tirs d'un côté, c'est étonnant que les deux équipes ne parviennent pas à se départager. Tacle parfait, l'arbitre laisse jouer. Arsenal qui veut oublier la courte défaite de son dernier match et pourquoi pas en gagnant dès aujourd'hui. Oui, danger. Gendouzi. La longue passe. Ça peut partir en contre. Il est passé. C'est bien ce qu'il fait là. Oh, l'intervention. Oh, pourquoi pas, très fort, très loin, ça soulage. En retrait. Gendouzi. Torreira à droite. Il peut centrer. Ça manque un peu de précision. Ça sent la frappe. Coup franc pour Arsenal. Voilà un coup franc qui est une occasion de but. Je me demande s'il va la tenter directement. Il ne se pose pas de questions. Il s'impose physiquement pour récupérer ce ballon. Gendouzi. Le ballon dans la profondeur. C'est repoussé. La grosse intervention. Ali qui a su, on l'a vu, tromper la défense adverse. Il allonge le jeu. Bien donné, plein axe. Kane! C'était parfaite, dommage. Et pourtant, ils avaient bien trouvé la profondeur. Oh, la casette. Il a trébuché sur cette intervention. Gendouzi part directement dans l'axe. Ça joue long. Il y a danger. Attention, la frappe. Oh, c'est dommage. Quelle occasion. C'est le ballon en profondeur qui fait la différence. Un superbe toucher de balle. C'est donc un double changement, un par équipe. Bonne intervention, il y avait danger. Camara. Et ce ballon jusqu'à l'autre aile. Cette possession un peu stérile. Camara. Ça doit faire but. Oh oui, Aubameyang. Oh, le gardien est là, la classe. Incroyable comme il est allé la chercher. Ça semblait se diriger tout droit au fond. Arsenal qui effectue donc un nouveau changement. Il tente de se dégager. Il relance côté droit. Pris au piège du hors-jeu. Sanchez. Dombélé.
Alderweireld. Christian Eriksen. Qui cherche la profondeur. Winks. C'est joué dans la profondeur. Il tente de la jouer dans l'espace. Oh, attention, il peut y aller. L'ouverture était lumineuse. Dommage. Superbe complicité entre ces deux joueurs. Ils ont bien exploité l'espace. Ça méritait mieux. Les changements s'enchaînent, on dirait bien. Ah, on devrait voir un petit peu plus de spectacle, de dribble et de vitesse. Il cherchait la profondeur, mais en face, défensivement, ça répond présent. Je pense surtout que la passe n'était pas bonne, c'est aussi simple que ça. Un grand dégagement le plus loin possible. Il se rattrape bien. Camara. Willock. Maitland-Niles. Nelson. Il y a du jeu, il y a du dynamisme. Malheureusement, ça reste stérile. La bonne passe. Il cherche la profondeur. Et ce ballon sur l'aile. Il a du champ sur le côté. Oh, l'occasion! Oh, c'était l'occasion de faire la différence. Quel dommage. Voici Son. Il sait sous la pression. Dans la profondeur. Oh, c'est bien joué. Oh, l'inspiration! Oh, la situation complètement inversée. Tout seul, face au gardien, l'issue était fatale. C'est clair, il n'a pas tremblé. Il est allé au bout de son action. Bravo. L'entraîneur a eu raison de le faire rentrer. Ça paye vite. Il a marqué quasiment sur son premier ballon. Quelle efficacité! Les voici avec un but d'avance. Ils ne baissent jamais les bras, ça force l'admiration forcément. Ils étaient menés, les voilà maintenant devant. L'ouverture lumineuse, ça doit faire but. On le tacle. Mais attention, le temps file, il faut mieux utiliser le ballon. Bon, voici Lucas Moura, il y a peut-être un coup à jouer. Il ne résiste pas au contact. Il va falloir qu'il se réveille, ils n'ont qu'un petit but d'avance quand même. Il la remet. C'est vraiment dommage, il le manque toujours un petit quelque chose. Ça va soulager un peu. Il est servi. Arsenal, il peut frapper. Oh, c'est sans conséquence, mais quelle prise de risque inutile. Aujourd'hui, ça manquait de beaucoup de choses, de rigueur, de précision, d'enthousiasme. C'est une défaite logique. Alors, que retenir de cette rencontre? C'est toujours douloureux de perdre contre son ennemi juré. Certains préfèrent même gagner le derby et perdre le titre. Allez, courage. L'heure de la revanche arrivera bien assez tôt.